mes impressions par rapport à cette année qui est un peu particulière. On est très content d'avoir déjà pu organiser cette fête du sport et des loisirs 2020, donc avec une super équipe de choc qui a œuvré depuis hier pour qu'on puisse tout mettre en place, et avec les services techniques de la ville, que je remercie au passage. On est très content parce que toutes les associations ont répondu présentes pour pouvoir venir et présenter leur sport, leurs loisirs. Et vraisemblablement, le flux circule bien, et donc c'est très bien, et on pense que ça va être une année relativement réussie. Alors Didier, voilà, jusqu'à présent c'était une grande surprise pour les Warmoutois, et donc on a l'immense plaisir de vous annoncer qu'après un dossier déposé auprès de l'Association nationale des élus du sport en fin d'année dernière, nous venons de savoir que nous sommes labellisés pour obtenir donc le label de la ville active et sportive. Alors simplement pour vous dire que pour le moment nous ne savons pas combien de lauriers l'association nous a décernés, mais nous le saurons le 5 novembre. Et il faut savoir qu'il y a en France 400 villes labellisées villes actives et sportives. Et donc nous sommes très très fiers de faire partie de ces 400 villes. Nous sommes vraiment très heureux de ce résultat, d'avoir obtenu de ce label de ville sportive. C'est une reconnaissance au niveau national. Cette reconnaissance, eh bien, nous la devons bien sûr au travail fourni par la municipalité, mais aussi au travail fourni, et ça il faut le reconnaître, par l'ensemble des acteurs des associations. Alors, l'occasion de rencontrer les présidents en faisant le tour des stands, je m'aperçois que les adhérents sont à nouveau au rendez-vous. Leurs associations, eh bien, c'est tant mieux. Et vive le sport à Warmout! Avec un grand plaisir que je participe pour la première fois en tant que conseillère dans la commission sport à cette première fête. Cette première fête des sports et du loisir, et ça a été une grande réussite, et je félicite David qui s'est investi pour faire de cette fête une réussite aujourd'hui malgré les conditions particulières.